À l'échelle mondiale, l'obésité touche aujourd'hui deux fois plus de personnes qu'en 1980. Sur plus de 1,9 milliard d'adultes en surpoids, 600 millions sont obèses, soit 13% des adultes âgés de 20 ans et plus. L'obésité se définit comme une accumulation excessive et anormale de graisse, néfaste pour la santé. Elle est mesurée par l'indice de masse corporelle, qui est calculé en divisant le poids par la taille au carré. Une personne avec un IMC supérieur à 25 est considérée en surpoids et supérieure à 30, obèse. Une personne devient obèse quand elle consomme plus de calories qu'elle n'en dépense. Un déséquilibre dû au changement des habitudes alimentaires et à la baisse de l'activité physique ces dernières années. L'obésité peut entraîner de graves problèmes de santé, maladies cardiovasculaires, diabète, troubles musculo-squelettiques ou cancer. Chaque année, 2,6 millions de personnes au moins meurent des suites d'une surcharge pondérale ou d'une obésité. C'est la cinquième cause de décès dans le monde.